comment va tes pas, non? La messe et ça n'a pas fait tir non. Bon, apparemment tout ça. Lundi,
pour les enfants et pour mon petit copain. Mon petit copain. Lundi, il va y avoir la kids party. Alors tous les enfants sont invités chez Régine. Et oui. Et chez Wim. Ah, je ne sais pas exactement. Vous savez, on n'entre pas. Vous savez quand ils sont mariés, tout va bien. Et alors, surtout, pour récompenser les enfants, n'oubliez pas que les enfants, les parents, les mamans. Et... On a fini de manger. Tu ne te rends pas compte le nombre de pollutions nocturnes de mon cause. À l'intérieur. Non, j'exagère, mais à faire. Votez pour qui? Je ne te rends pas compte le nombre de femmes. Votez Jean-Yves. Votez Jean-Yves. On réfléchit. Tu réfléchis. Hein, tu réfléchis avec moi. Avec ses petits pour le moment. Je pense que c'est beau. Donc il faut trouver une solution. Ah oui, mais tu sors réligé. Hein? Voilà, chers amis, excusez-nous pour ceux qui ont des moumoutes, ça décoiffe, on est bien d'accord. Mais on vient de prendre une sage décision, me semble-t-il. C'est de accorder la parole aux candidats à l'élection républicaine. Élection ô combien importante, parce qu'il ne s'agit pas d'élire un fusé, mais il s'agit aussi d'élire un président de la République. Alors nous avons décidé que cette élection allait se passer ici dehors. Oui, on a. Mais je tiens quand même à rappeler certaines règles qui sont d'application depuis maintenant 30 et quelques années, presque 40. Ça veut dire que peuvent voter les personnes qui sont propriétaires, locataires ou propriétaires d'un bien ici à Bleuin et qu'elles soient âgées de plus de 10 ans. Quel âge as-tu, toi? 10 ans. Eh bien, tu peux voter, voilà. Alors, voilà. Attention, il y a des questions. Des questions. Attends. Comment peut-on être propriétaire, locataire, entreprise? Je vais vous donner la réponse. Elle n'est pas plus compliquée que ça. Alors voilà. Je vais appeler le premier candidat. Et la dernière brocante qu'on a eue à l'école, et dans la cuisine, ça devrait faire dans le gros que la première opération, c'est que le musée nous ramène au point sans but. Voilà. Avec plaisir, c'est pas sûr. On applaudit Benoît qui a
quand même assuré la fonction de fusée pendant... Ah, après non plus. Ah non. Bien gentiment, voilà. Oh. Ah, c'est un mauvais présage. Les clés de la République. On n'entend rien. Ouais, mais... Alors voilà, je souhaiterais quand même, parce que vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, ça m'embête un petit peu de parler dans ce genre de bazar. J'ai un peu l'impression d'être syndicaliste à l'AED, à Tecteo, et enfin bon, soit. Ça m'embête un peu de parler là-dedans, mais je souhaiterais quand même qu'on fasse une ovation à ceux qui font vivre. Et là, les cousins, est-ce que ça va, les cousins? Bonjour, les cousins. Bonjour. Alors, on les applaudit. Voilà. Maintenant. Deuxième candidat, Benoît Ledoux. Troisième candidat, Ulette Hilaire. Et quatrième candidat de Ferwin Even. Alors vous savez, comme il est de tradition, il y a des candidats qui se mettent pour la buse et d'autres pour la présidence. Ça refroidissait quand même certains candidats en tout cas. Donc maintenant, on ne sait pas, parmi ces quatre candidats, qui va être candidat pour la buse ou qui va être candidat pour la République. Donc, bien évidemment, mais j'appelle les gens à ne pas voter pour moi. Ça veut simplement dire que je suis candidat à la buse. Voilà. Merci de voter pour les trois autres candidats. Je vous appelle à ne pas voter pour moi. Voilà. Et là, le papier. Chers amis, amis de la République. Oui, voilà, c'est ça. Elle me l'avait tout dit, promis, une belle petite gaillole, une belle petite gaillole. Elle me l'avait tout dit, promis, une belle petite gaillole pour mes petits canaris. Oh là là, la la, la 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 la. Chers amis de la République, dans quelques instants, vous allez voter pour un nouveau président et un nouveau fusée. Je présente, je suis candidate à l'élection, mais plus de ma présidentielle. Moi pas. Je ne veux pas la fuse. Mais si je la fuse, je vais bien m'abuser parce que je vais voir. Oui. Pour ceux que mon mari n'a pas pu participer, moi je vais me rattraper. Dans mon programme, je m'engage à défendre les intérêts et le folklore de notre village. Et
de reformer un nouveau gouvernement républicain. Parce que j'ai besoin de vous. J'ai beaucoup besoin de vous intéresser pour soutenir le folklore du village. Est-ce que ça va comme ça, vous m'entendez? Pas de problème. Merci. En tant que présidente, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Tout le monde a cru que j'allais me représenter. Quand j'ai rentré mon bulletin, j'ai rien dit. On a déduit que j'allais me représenter comme présidente, mais seulement, non pas que je ne veux pas le faire, mais je ne peux pas le faire. Parce que s'il y a une personne qui mérite d'être présidente de la République, c'est bien Hélène. Oui, oui, vous pouvez l'applaudir. Parce qu'elle a été vraiment là tout le temps. Elle a fait les demandes, tous les papiers, tout ce qui est administration. Elle est au courant de tout. C'est une bleue d'or. Donc, nettoyée. À vous. Et elle se mérite amplement d'être présidente. Moi, il n'y a qu'une seule chose. J'ai adoré être présidente. Parce que j'ai un petit vêtement au cœur, j'ai dit tout à l'heure. J'ai un vêtement au cœur quand on est présidente d'un village comme le Hain. Ça fait quelque chose. Oui, on gagne beaucoup de rétribution. Lolo, tu sais m'amener ma bière, s'il te plaît. Les candidats vont avoir évidemment un certain droit traditionnel. Et alors, voilà, ceux qui sont républicains, qui peuvent voter Ça a l'air de ne pas être si mauvais que ça. Ça fait que... Enfin, le musée, c'est genre...